Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, eh bien, c'est de te montrer comment créer un compte e-marketing en passant par INB Network. Je profite qu'un ami veut rentrer dedans avec le coupon de 50$ et un budget complémentaire de 50$ pour qu'il puisse se rendre compte du comment ça fonctionne. Donc tu pourras suivre aussi, je ferai des vidéos dessus, donc tu pourras suivre l'évolution du compte si tu le souhaites. Et comme ça, tu vas voir les différentes étapes. Donc, tu sais que j'ai un robot numéro 1 sur lequel je m'étais inscrit avec Gmail, que je considère comme étant une erreur, sur lequel j'ai remis 55$ de budget pour pouvoir arriver aux 100$ de cashback et récupérer les fonds. J'ai mon robot principal avec 377$ de budget pub, qui doit être à 540 ou quelque chose comme ça aujourd'hui, de cashback et 113$ de disponible. Donc lui, bah, j'attends qu'il atteigne les 150$ pour pouvoir rembourser les 50$ du coupon et réinjecter 100$ dans le budget publicitaire de ce même robot. Après, j'aurai plus l'obligation des 100$, donc ce sera plus simple. C'est la première fois qu'il coûte un peu, parce que on trouve ça long, forcément, on est impatient. Donc là, pour se créer un compte avec INB Network, j'ai remis dans un fichier ici. Ça, en fait, c'est mon lien de parrainage récupéré sur mon compte INB Network pour pouvoir créer un compte INB Network. Je copie. Ah, je fais une fausse manip. Hop, je copie. Je le mets là-haut dans la barre. Donc là, bon, bah par défaut, ça me redonne mon compte qui est déjà existant. Donc je fais Add Account. Et là, je dis que je n'ai pas de compte. Voilà. Et là, du coup, invite. Là, ici, ça met le lien du parrain. Donc c'est AD38A8. C'est bien mon compte principal. Donc du coup, j'ai pas de problème. C'est bien moi qui suis identifié. Donc après, ici, il faut remplir la partie basse. Donc ça, forcément, je vais te le masquer. Donc le nom, le prénom, l'adresse mail. Et un mot de passe à définir. Il faut confirmer. Je tue le robot. Donc là, ça ne marche pas. On me dit que le mot de passe doit contenir entre 6 et 20 caractères avec des nombres. One uppercase, one lower. Ah, il faut une majuscule. J'ai pas mis de majuscule dans le mot de passe. Hop, donc je reprends. Donc, tu poses un robot. Register. Et voilà, le compte INB Network, lui, est créé. Je reviendrai dans une autre vidéo sur l'avantage d'avoir INB Network et vous présenter un peu l'outil. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer sur AI Marketing. Donc voilà, donc là, on est sur la page d'AI Marketing. Donc on peut remettre en français. Donc, s'identifier, s'inscrire. Donc, en fait, c'est là où c'est important, bah, c'est de cliquez sur le petit cerveau bleu, puisque là, le fait d'avoir créé votre compte INB Network, vous passez ici par le petit cerveau bleu, et du coup, l'identification du robot, eh bien, c'est le même mot de passe que ce que vous avez mis sur INB Network. Et je ne suis pas un robot. Donc voilà, donc là on est obligé de lui donner un petit nom, robot, on va l'appeler Manu. Et du coup on est obligé de regarder une vidéo de 2-3 minutes. Ah non, je connais déjà une personne qui porte ce nom, j'ai peur de me tromper. Bon d'accord, donc faut l'appeler autrement. Voilà, on s'en fiche un peu en fait.
Non, bah là, il met pas la vidéo. Bon, bah, très bien. Donc ici, le compte, il est créé. Tout est à zéro. Donc maintenant, bah, ce que je vais aller faire, c'est aller sur compléter, puisque je veux récupérer le chèque cadeau. Donc ici, une fois que vous êtes dans compléter, dans le menu déroulant, vous allez trouver ici chèque cadeau. Ici, on demande le code du chèque cadeau. Donc ça, c'est le parrain qui le donne. Donc là, moi, je l'ai mis ici. Ça, c'est le mien. Hop. Et je fais payer. Chèque cadeau échangé avec succès, vous avez reçu 50$. Donc en haut, on voit balance des annonces 50$. Puisque là, ça va mettre 48 heures, peut-être un peu plus, pour que ce budget de 50$ soit pris en compte par les équipes et par le robot et qu'il commence à fonctionner. Donc pendant 2-3 jours, il va rien se passer. Mais là, bon, comme il veut mettre un budget complémentaire de 50$, donc je vais aller mettre un budget complémentaire. Donc là, je le fais pour lui, puisque moi j'alimente avec mon compte Payeer. Puisque pour compléter, bon, on a tous ces moyens de paiement. La Visa Mastercard, je ne sais pas si ça fonctionne bien en dépôt. En tout cas, c'est à éviter en retrait pour le moment. Donc moi, voilà, j'utilise Payeer USD, qui est là, qui est un compte qui est très facile à créer. Il y a juste une vérification d'identité, hein, et qui est très simple d'utilisation. C'est un wallet comme d'autres, hein, comme Binance. Ou autre où vous avez voilà différentes soit différentes monnaies ou différentes crypto-monnaies. Donc là bon bah j'ai un solde en dollars ici donc je vais taper dedans. Donc voilà, donc là je me mets sur Payeer, je prends 50$. Je dis payer. Donc ça me voilà, donc là je confirme ici Payeer en USD. Il y aura 48 centimes de frais. Et là, ça me renvoie sur Payeer pour confirmer. C'est bien parce que c'est lié directement. Donc, il n'y a pas besoin de recopier une adresse comme quand tu fais en Bitcoin où tu dois recopier une adresse de destination ou autre et tu as toujours peur de te tromper. Bon, là, ça te renvoie directement sur ton compte à toi. Donc, tu as juste à confirmer et le transfert se fait. Et là, hop, ça revient sur. Sur iMarketing, qui s'est remis en anglais pour le coup, je le remets en français. Voilà, super, le paiement est crédité, dadadadada. Voilà. Et donc là, j'ai bien mon budget qui a augmenté. Donc j'ai les 50$ de départ, les 50$ du complément, et là, jusqu'au 1er juin, le fait d'alimenter avec Payeer, j'ai 9% de bonus sur les dépôts. Donc j'ai 9% des 50$ complémentaires qui sont venus s'ajouter ici. Donc maintenant il y a un budget de 104,50$ qui va se mettre en route dans les 2-3 jours. Et quand le budget sera... Parce que là, bon, bah, en partant avec un budget faible, ce qui va se passer, c'est que tout le budget va être consommé et que le robot va s'arrêter de travailler. Et qu'il va falloir attendre que tout le cashback soit rentré. Donc ça peut prendre 2 à 3 mois, hein, pour le coup, en fonction des délais d'attente de chaque vente, mais on va dire 2 mois, pour arriver aux 150$, puisque là, bon, en gros, le 104,50$, ça va me ramener 150$ à peu près, hein, pour atteindre donc ces 150$. Et quand les 150$ seront atteints, bah là, on pourra rembourser les 50$ du robot. Et réinjecter les 100$ dans le budget pub du robot de manière à ce qu'il redémarre. Mais là, il aura forcément une phase d'arrêt. Disons, je pense que le budget idéal quand on démarre avec le coupon de 50€, faut au moins mettre 300$, je pense. Parce que tu vois, moi, avec mon budget de 377, ça fait un mois et 3 jours là, bah, je suis qu'à 113$ de retour. Donc, d'après l'estimation d'AIGestion, les 150$, je devrais les atteindre dans 3-4 jours. Donc là, je pourrais refaire un transfert. Bon, mon robot n'a pas consommé tout mon budget, les 377$. Il reste encore à peu près 80, je crois. J'ai de quoi tenir 10 jours là aujourd'hui. Donc si dans 3-4 jours, il atteint les 150, je vais réinjecter. Il me restera encore 5 jours. Sur mon ancien budget, il restera encore 5 jours, donc ça laissera le temps à ce nouveau
budget publicitaire que je rajoute qui viendra lui à son tour dans la balance des annonces, donc faut le temps qu'il soit après injecté dans le robot. Donc comme ça prend encore 2-3 jours, bon voilà, je devrais être raccord, et ce qui fait que mon robot ne devrait pas s'arrêter. Mais donc, démarrer avec un budget plus bas, bah c'est voilà, faut accepter que ton robot il s'arrête pendant 2 mois, ou un mois et demi, avant de pouvoir le relancer. Ou alors, il faut utiliser tes $50, mais à ce moment-là, tu prends pas le chèque cadeau de $50 d'AI Marketing, tu pars directement avec ton budget de $50, et ce qui fait que dès que tu récupères $10 de cashback, bah tu peux les réinjecter. Mais bon, là ton robot il s'arrêtera peut-être pas, et encore c'est pas sûr, mais ça va monter très très doux, parce que $50 ça va te ramener $75. Donc le temps que t'aies $10 de cashback qui rentre, est-ce que tes $50 ils seront déjà pas consommés par ton robot? C'est pas sûr, parce que là avec $50 il va y avoir un budget publicitaire tous les jours qui va être très faible, ça va être du $3, $4, quelque chose comme ça, et encore, je suis même pas sûr. Parce que je sais pas si la distribution du budget publicitaire, est-ce qu'il la cale par rapport à une durée ou pas, ça je sais pas encore. Mais bon, du coup, ce robot numéro 2, on verra comment il va évoluer dans le temps, je t'en donnerai des nouvelles. Voilà, donc n'hésite pas à cliquer sur sur abonnement et sur la cloche, de manière à suivre ça, parce que il y a d'autres vidéos qui vont arriver, hein, où je vais donner d'autres informations. Là c'était vraiment pour l'inscription. Après il y a d'autres choses à découvrir et à savoir, donc les vidéos vont s'alimenter au fur et à mesure de l'avancement de mes robots. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te remercie de ton attention. À bientôt.